Salut les chéris, je vous propose une nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. J'ai été super contente parce que j'ai eu plein de vues, je comprends pas ce qui se passe en fait. C'est monté en flèche pour la dernière vidéo. Je suis super contente et je suis super ravie et je remercie tous les nouveaux abonnés. Bah, ma petite chaîne est monte tout doucement mais sûrement, donc ça me fait très plaisir. Je suis ravie de vous accueillir et là je vous propose donc une nouvelle vidéo pour la fabrication d'un jean. Ceci dans l'optique de répondre au projet d'Emma, Friendly Couture et pour le Friendly Jean, donc hashtag Friendly Jean, je vous le mettrai quelque part par là ou peut-être en dessous. Elle propose en fait de fabriquer son premier jean. Alors, soyons honnêtes, c'est pas mon premier jean. Dans la vidéo qui se trouve dans le petit i, la dernière vidéo où je vous montre un jean. Je voulais me faire celui-ci parce qu'il est quand même assez complexe. Il y a beaucoup d'empiècements, de pièces, voilà. Et je voulais absolument me faire celui-là. Et puis bon, de toute façon, ça rentre dans le projet. Hein. Je me fais un jean et puis voilà, tant pis. Hein. Si Emma, t'es pas contente, dis-le moi, s'il te plaît. C'est pas mon premier jean, mais c'est pas grave. Jean, il fait partie de ce fait main. Donc, c'est le numéro 473. C'est juin 2021. J'adore ce magazine. Je crois que c'est la première fois que je trouve un magazine avec autant de modèles qui me plaisent. J'ai envie de tous les faire en fait. Donc il est super. Il y a une variante en plus. Enfin, après on peut varier au niveau des poches. Tout ça, il n'y a pas de souci. On fait ce qu'on veut. Hein. C'est ça l'avantage avec la couture. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc c'est ce jean là. J'adore ce tissu. Marque, c'est un jean. C'est un coton stretch de Nîmes délavé. Voilà. Donc le dessin technique, le voici. Je ne sais pas si on va bien voir. Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Je suis contente. Il fait beau. Il fait beau. Ça fait du bien au moral. Et il y a une variante que je vais me faire également. C'est celle-ci. Donc il n'y a pas les empiècements au genou. Là, il n'y a pas les empiècements au genou et je vais me le faire en blanc. Enfin, blanc cassé, c'est un denim stretch que j'ai acheté du coup sur Toretto Tissuti. Donc, j'ai bénéficié des 10% de réduction grâce à Emma, justement. Elle a proposé une réduction, en fait. Voilà, on avait 10%. J'ai acheté du denim blanc, blanc cassé stretch. Et j'ai acheté du denim noir, mais 100% coton. Donc, voilà. Alors, je vous montre rapidement. Je n'ai pas encore les photos, mais je les ferai pour la prochaine vidéo. Je vous le montre terminé, comme ceci. Voilà. Et avec les petites poches. Voilà. Ma petite griffe. Donc, je vous la montre bien parce qu'à la fin de la vidéo, je me rends compte que quand j'ai cousu la ceinture, ça avait pris la griffe en même temps. C'était pas beau, donc j'ai refait. J'ai défait au niveau des passants pour que ça se voit le moins possible pour les reprises de piqûres. Donc, j'ai repris de là jusque là. Voilà. Et comme ça, j'ai pu libérer ma griffe. C'est quand même beaucoup plus propre. Donc voilà. Alors pour les modifications du patron, je vous explique dans la vidéo. J'ai pris mes petites notes. Parce qu'au niveau du patronage de la poche briquée, ça ne me plaisait pas. J'ai créé une contre-poche en fait. Qui n'existait pas. Il fallait juste mettre la poche briquée sur la poche existante. Et moi, j'ai quand même créé une contre-poche à fixer, donc à piquer sur le fond de poche. Je vais montrer là où il n'y a pas la poche briquée. Donc là, si vous voulez, ici, si je retourne, c'est le fond de poche. En fait, c'est piqué dessus. Ce qui n'était pas le cas normalement dans le modèle d'origine. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai taillé en taille 42.
d'après le tableau des mesures. Marque taille 42L, donc il y a le L, ça correspond, c'est la taille 42 et 44. C'est un peu particulier, mais bon, voilà. En tout cas, il est un petit peu grand par contre, et légèrement au niveau de la taille. Et heureusement que j'ai retaillé la ceinture d'eau, je vous explique dans la vidéo. Donc j'avais bien taillé, enfin j'avais bien décalqué, mais il y a un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû faire une erreur. J'aurais dû même en enlever encore plus. Prochain, je verrai d'en enlever encore un petit chouïa pour que ça me maintienne un petit peu mieux au niveau de la taille. Je peux le porter sur les hanches, mais après ça fait une poche un petit peu au milieu, à l'entrejambe, c'est pas forcément très agréable. Oui, du coup, pour la poche, donc j'ai tout réajusté au niveau de la poche briquée. Par contre, il faudra que je refasse une toute petite modif légère, parce que du coup, la poche briquée, je ne sais pas si on va bien le voir, elle est un petit peu penchée au lieu d'être bien droite. Je ne me suis pas méfiée. Et voilà, il faudrait que je la remette bien, bien d'équerre. C'est pas grave, mais pour le prochain, je ferai attention. Oui, il y a une erreur aussi au niveau du patron. J'ai bien décalqué toutes les pièces. Là, c'est pareil, si je vous montre, vous n'allez pas bien comprendre, forcément. Ici, quand on voit la pièce qui vient, donc ça, c'est la pièce qui vient à l'entrejambe. Donc, vous assemblez ces pièces-là avec les genoux. Ça c'est le dos ou le devant? Non, ça c'est le dos. Donc là, vous assemblez ces deux pièces-là ensemble et après, cette partie-là viendra s'accrocher ici à l'entrejambe. Sauf que au niveau des points de repère, là, ils ont mis J ici. Sauf que le morceau qui s'accroche... Là, on a l'impression en fait que cette partie-là va venir ici. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est cette partie-là, là où il y a marqué le K, qui vient de ce côté-là. Du coup, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça marche pas. Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Et bon, bah, j'ai cherché, j'ai fini par trouver. Bon, ça, c'est quand on a l'habitude aussi de monter des vêtements. Bon, on cherche pendant un moment, et puis on finit par comprendre qu'il y a... Voilà, qu'il y a... Mais pour quelqu'un de débutant, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, il ne va pas forcément comprendre comment ça se place. Parce que oui, voilà, en fait, quand je plaçais le morceau, arrivé au bas de la jambe, c'était plus court, je crois, au niveau du vêtement, enfin de la jambe du dos, et c'était plus court au niveau de l'empiècement. Enfin bon, bref. Donc, il y a bien une erreur ici sur le patronage. Et pour la ceinture, j'avais dit que je piquerais dans le sillon. Je n'ai pas piqué du tout dans le sillon, j'ai fait une surpiqûre normale, comme une ceinture de jean normale. Voilà, donc voilà, j'ai fait comme ça. Après, bah, je crois que c'est tout. Ah oui, si, il y a juste une petite chose que j'ai fait en plus. J'ai doublé au niveau de la genouillère, parce que tout cet amas de couture, ça fait une gêne, ça gêne au niveau des, quand on plie les jambes, tout ça, enfin ça procure une gêne, parce que voilà, vous voyez qu'il y a, bah, il y a la première couture, la deuxième couture, la troisième couture, il y a la couture des deux coutures au niveau du cou de l'entrejambe, donc ça fait beaucoup de coutures. Je vais vous montrer, vous allez peut-être un peu plus comprendre. Donc, au niveau des jambes, vous avez trois coutures déjà. Donc, il y a la couture de l'entrejambe, la couture du côté, la couture de l'entrejambe. Quoi. Il y a deux coutures pour l'entrejambe, si vous voulez. Et là, normalement, il y a trois coutures au niveau du genou. Donc, j'ai doublé. J'ai mis ça par-dessus. J'ai tout cousu à la main. Ça, c'était vraiment une fois terminé. Quand je l'ai essayé, j'étais pas à l'aise. Et du coup j'ai fait ça avec du drap, j'avais un petit morceau de drap que j'avais, voilà, ça à l'intérieur ça se voit pas, mais du coup ça fait moins épais, moins c'est moins gênant en fait. Ah oui, parce qu'en plus il y a les pinces, mais sinon je suis très très contente, il est super agréable à porter, il est très joli pour la fermeture à glissière, rien de voilà, hein, une fermeture à glissière, il faudra que je pique deux fois les fermetures à glissière parce que ça a tendance à
Je pense jamais à faire deux piqûres, je lui montre toujours comme ça, hein. C'est pas grave, mais c'est vrai que peut-être qu'une deuxième piqûre, ça serait mieux. J'ai mis un bouton de chez AliExpress, et puis voilà, petite boutonnière avec ma machine familiale. Je laisse la petite vidéo, je vérifie que je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. Je n'ai rien oublié dans mes notes. Donc, je vous laisse avec la vidéo et puis on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast couture avec des petites surprises encore, des petites choses bien sympathiques. Voilà. Donc, je vous fais des gros gros bisous et puis je vous laisse. Au revoir! Je vais commencer la couture de ce pantalon. Voilà le dessin technique et voilà ce que ça donne. J'ai découpé toutes les pièces, il y en a un paquet. Parce qu'en fait, il y a des découpes, vous voyez, au niveau des genoux et au niveau de l'entrejambe et du côté. Je ne sais pas si vous voyez, il ne faut vraiment pas que je me plante. Le plan de coupe, voilà, vous voyez le nombre de morceaux qu'il y a à couper, c'est assez énorme. Je fais le réglage de ma machine, donc c'est la FAF Passport 2.0. Je fais le réglage pour les surpiqûres. J'ai du fil Onyx. Donc ça, vous pouvez le trouver sur les sites de maroquinerie. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. J'avais récupéré ça à mon travail. Donc c'est un fil assez épais. C'est un peu comme le cordonnet qu'on utilise pour le jean. J'ai allongé le point à 3. C'est le point droit. Et là, je l'ai mis à 3. Voilà, dans la longueur. J'ai un fil, tout ce qui est plus normal, dans la canette. Et voilà. J'ai changé l'aiguille. Une aiguille jean, grosseur 90, je crois. Ouais, 90. En ce qui concerne le réglage de ma jukie professionnelle, je vais finir. Les restes de canettes que j'ai, les couleurs sont approximatives, mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur, c'est pour l'assemblage, c'est pas un problème. Dessus, je vais mettre un cône de fil bleu marine pour aller avec mon tissu, et puis donc je vais régler le point à, je vais faire un point le plus serré possible, enfin pas trop non plus, mais un petit peu, voilà. Comme c'est pour l'assemblage, et après je vais faire le réglage de ma surjeteuse. Alors j'ai enfilé ma surjeteuse avec trois fils différents. Vous voyez que ça fait bleu, blanc, rouge. Ça, c'est le cône qui va sur l'aiguille, qui va être bleu, et les deux autres fils voyants, donc ça va être pour les boucleurs en blanc et en rouge, donc ça fait bleu blanc rouge. Une petite astuce pour enfiler, pour changer les fils de la surjeteuse sans abîmer les disques, vous écartez les disques comme ça avec vos mains. Bon, là je peux pas, je filme, donc je peux pas me servir de mes deux mains, mais vous écartez et vous tirez vos fils en même temps, ce qui fait que ça n'abîme pas les disques et ça vous permet d'enfiler votre machine tranquillement. Donc je vais faire un essai tout de suite pour voir ce que ça donne. Voilà, après j'aurais préféré le rouge, je pense que je vais faire le contraire, parce qu'une fois que la couture sera couchée, on verra que le blanc. Je vais peut-être mettre du, je vais peut-être changer en fait, je vais mettre le blanc sur la piqûre, le bleu derrière et le rouge sur le dessus, ça sera plus joli. Voilà, je vais changer ça. Alors du coup j'ai changé, en fait j'ai fait la piqûre en rouge, le fil d'aiguille en rouge, le fil blanc sur le dessus
et le bleu sur l'arrière. Voilà. Donc je vais m'occuper de surjeter la bande de passant d'un seul côté pour la rabattre et la piquer ensuite. Je vais m'occuper aussi de préparer les poches arrière, la poche briquet, les contre-poches, la sous-patte de braguette. Là, je fais l'ourlet de la poche arrière. Voilà, j'ai fait l'ourlet des poches arrière. Je vais faire la deuxième piqûre et je vais faire de même pour la poche briquet. J'ai dessiné une petite courbe comme ça pour faire les petites broderies. Donc je vais m'atteler à ça. Je pense que je vais faire un premier point droit comme j'avais fait pour mon premier jean. Donc là, comme il y a du cordonné, ça va bien mettre en relief, et après je ferai un petit point de zigzag ou un petit point de broderie en fil de broderie. Donc je sais pas exactement ce que je vais faire, je vais voir ça. Du coup, j'ai décidé de faire juste deux piqûres parallèles. J'avais commencé par dessiner éventuellement une goutte, mais bon, ça va pas. Surtout avec la machine familiale, pour refaire une petite boucle comme ça, c'est pas à gagner pour que ça soit bien régulier. Donc voilà, j'ai fait les deux poches à l'identique. Et il n'y a plus qu'à les plaquer après sur l'arrière. Pour faire de beaux arrondis les poches arrière, je passe un petit fil de fronce juste sur les arrondis. Après avoir passé le fil de fronce, vous tirez un petit peu et voilà, ça se recourbe naturellement. Et ça vous fait pas de plis, ça vous fait un joli ourlet. Vous n'avez plus qu'à plaquer après votre poche normalement. Donc on va donner un bon coup de fer pour former les ourlets. Une petite astuce aussi pour les coins de poche. Lorsque vous plaquez votre poche, que ce soit n'importe quelle poche, hein, avec des bouts carrés comme ça, au lieu de plaquer comme ça, en fait, quand vous allez plaquer, vous avez le risque que le coin ressorte comme ça, et c'est pas très propre. On va imaginer qu'il y a 1 cm de couture. Vous allez replier le coin avec une main, c'est pas facile. Vous allez replier le coin comme ceci et comme ceci. Ce qui fait que quand vous allez piquer, là, vous n'aurez rien en fait. Vous piquez. Vous plaquez votre poche normalement, mais après c'est propre, votre coin ne ressortira pas. J'ai préparé le plaquage des poches, j'ai tout épinglé, j'ai mesuré pour contrôler que tout est à peu près pareil. Je n'oublie pas de rentrer mon coin de poche. Thank you.
Voilà, j'ai mes deux poches qui sont plaquées à l'arrière. Je vais plaquer la poche briquée sur la contre-poche. Là, je vais juste bâtir pour la maintenir. Là, celle-là, la poche briquée, elle est prise dans la couture du côté. Il y en a qui sont un peu plus à l'écart, un peu plus centrés. Et je vous expliquerai en détail ce que j'ai fait, parce que j'ai modifié les poches. Je vous expliquerai pourquoi. Je vais m'occuper d'assembler l'aréos sur le dos. Donc, faut pas se tromper, ça vient comme ça, endroit contre endroit, voilà. Et après je vais surjeter et surpiquer. Alors j'ai vu qu'il y a un petit souci au niveau de l'aréos, c'est à dire que quand on superpose l'aréos sur le dos, il y a presque 3 cm de décalage. C'est peut-être dû au fait que c'est un tissu stretch. C'est peut-être normal que ça soit prévu comme ça. J'ai vérifié au niveau du patron, je me suis pas trompée, j'avais peur de m'être trompée de taille et visiblement c'est pas le cas. Donc je vais assembler ça et puis on va voir ce que ça donne. C'est assemblé, on voit bien que ça gondole un petit peu, qu'il y a de l'embut. Après un bon coup de repassage et la surpiqûre, ça ira peut-être mieux. J'avoue que ça fait bizarre, et même là au niveau de l'assemblage, l'aréos normalement ça doit pas faire une pointe aussi grande. Ça peut le faire, je sais pas, c'est bizarre. Je pense que c'est dû au fait que ça soit un pantalon qui est taillé dans du tissu stretch. J'ai repassé la couture vers le bas. Donc ça gondole un petit peu moins et je vais surpiquer pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai surpiqué. C'est un petit peu mieux. Après, il faudra voir au porté, mais je sais pas, ça me paraît un petit peu bizarre quand même. Cette pointe là, ça fait bizarre. Je sais pas. À voir. Alors tout à l'heure, je me suis plantée pour coudre l'aréos. C'est-à-dire que l'aréos, en général, bien dit en règle générale, la pointe, le plus grand côté se trouve au milieu du dos, sauf que cette fois-ci, et c'est vrai que ça arrive, moi je m'étais acheté un jean où l'aréos en fait est plus large sur le côté, et c'est pour ça que j'avais une pointe tout à l'heure. Donc si un jour vous avez un doute, vous placez l'aréos des deux côtés et vous voyez ce qui va le mieux. Si ça vous fait une pointe, bon là je le mets sur l'envers, mais qu'importe, si ça vous fait une pointe comme ça une fois que c'est assemblé, c'est que c'est pas bon. Le milieu du dos doit être dans la continuité. La ligne doit rester droite, enfin à peu près droite. Voilà. Une petite astuce aussi, quand vous avez de l'embut, comme c'est le cas ici, et il y a un très gros embut, bon là ça va que le tissu est un petit peu stretch, mais vous mettez toujours la plus grosse partie en dessous. Ça vous évitera de faire des plis. Comme ça, vous tendez un petit peu. Bon là, c'est vrai que le tissu est stretch et qu'il est en courbe, mais en règle générale on met toujours l'embut en dessous. Il va être entraîné par les griffes et ça sera plus simple à gérer que de l'avoir au dessus, parce que si vous l'avez au dessus, le pied presseur lui ne va pas l'entraîner et vous risquez de faire des plis. Voilà, je vous montre la différence. Donc l'aréos a été cousu là du bon côté, donc vous voyez que la ligne est un petit peu plus droite, mais il y a une petite courbe légère, c'est vraiment par rapport à la cambrure du dos, mais c'est normal.
et je vous montre avec le patron la différence. Donc là vous voyez, alors, je sais pas si on va bien voir, mais vous voyez que là il y a une différence entre les deux qui est quand même assez importante. J'ai essayé de les superposer. Voilà. Vous voyez que là c'est droit et là ça fait quand même une grosse pointe. Et là c'est pas bon. Donc en fait, elle doit se coudre comme ceci. Vous voyez. Mais là, le côté suit bien la courbe des hanches. Voilà. Donc voilà, j'ai fini le dos. Enfin, le haut du dos. Parce qu'après, il y a des empiècements au niveau des jambes. Vous voyez que c'est coupé. Il y a une couture au niveau des jambes. Donc, j'ai assemblé les deux dos. Voilà. Je l'ai posé sur moi vite fait pour vérifier. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Je vais pouvoir placer les contre-poches sur les premiers fonds de poche. Donc, je vais piquer comme ça. Et là, je vais faire une piqûre morte pour maintenir le tout. Voilà, comme ça. Donc, c'est placé comme ça. Et après, j'assemblerai les fonds de poche au devant. J'ai mes deux devants, donc je vais pouvoir assembler mes fonds de poche au devant comme ceci. Donc le côté droit, le côté gauche. Voici les deux fonds de poche assemblés au devant. Donc je vais dégarnir un petit peu ici pour pouvoir en retourner. Je laisse 3 mm de couture, de valeur de couture, pour pouvoir ensuite retourner. Pour ceci, j'utilise des ciseaux Pélican. Je vais pouvoir maintenant retourner. Je vais certainement faire une surpiqûre ici pour tout maintenir, pour éviter que ça se voit quand je porte le pantalon. Donc du côté, vous couchez votre couture de ce côté là du côté de la doublure et vous faites une surpiqûre nervure tout le long. Et après, vous retournez. J'ai surpiqué les arrondis des poches. J'ai piqué les fonds de poche avec les contre-poches.
Voilà. Et là, je vais pouvoir assembler les fonds de poche ensemble. Je vais assembler et surjeter tout le long. J'ai cousu les fonds de poche, les ai assemblés, je vais les surjeter et après je ferai une piqûre morte pour maintenir la couture de côté et la couture de la taille. Les poches sont en place. Je ne sais pas si on va bien voir, il y a de la lumière. Ensuite, j'enlèverai cette partie-là. En fait, c'est la partie droite du pantalon pour assembler la fermeture à glissière. Donc, on enlève le morceau de la soupape. Donc, à 1 cm. On laisse dépasser d'un centimètre pour la valeur de couture. Donc, tout le long, on recoupe à 1 cm. J'ai trouvé pour le devant une braguette. Alors, elle est verte. Mais qu'importe, je ne vais pas en racheter. J'en ai tellement. Elle est en métal, donc ça sera parfait. De toute façon, ça va pas se voir. Donc, ce côté-là, c'est le côté droit. Si je le pose sur moi. Et en fait, c'est la partie où je vais enlever. Voilà. Je vais retirer ce petit bout. Côté droit, côté gauche. Donc, je vais pouvoir assembler la fermeture à glissière comme ça après avoir assemblé les deux fourches de devant, assembler, surjeter. On assemble d'abord les deux fourches, on surjette et ensuite on assemble la fermeture à glissière. Elle est un peu longue donc je vais la raccourcir, je vous montrerai comment je fais pour enlever. On peut rajouter éventuellement enlever le curseur et le placer un peu plus haut. Moi je mets jamais le curseur pour éviter de casser l'aiguille. Je fais une petite boucle avec du fil. J'ai coupé la fermeture à la bonne longueur. J'ai pris une pince coupante parce que comme c'est une fermeture en métal, là j'ai enfilé une aiguille en double et je vais passer le fil comme ça pour remplacer l'arrêt en métal parce que je suis pas arrivée à le remettre et puis moi je préfère éviter, je fais toujours ça. Ça évite éventuellement de casser l'aiguille. Donc là de toute façon on pourrait casser l'aiguille puisque ce sont des dents en métal, mais en général je le fais toujours sur mes fermetures à glissière pour faire les braguettes. Voilà, ouais, j'ai passé l'aiguille 4-5 fois. Là vaut mieux le passer plusieurs fois parce que comme c'est des dents en métal, ça risquerait de mâcher un petit peu le fil et de l'user. Après c'est protégé par la soupape, par la braguette, donc normalement il n'y a aucun souci. Après je vais repasser le fil derrière et je vais l'arrêter. J'ai surjeté mes fourches, je vais assembler donc 1 cm au-dessus de la fourche et après je vais pouvoir installer la fermeture. Donc je couds le premier côté de la fermeture à glissière. Je vais ensuite coudre la soupape par-dessus. Une fois la soupape assemblée à la fermeture à glissière, vous positionnez l'autre côté, en fait le côté gauche, comme si c'était déjà posé. Vous maintenez avec une épingle et vous venez piquer l'autre côté de la fermeture à glissière
sur la pâte. Voilà, la braguette terminée. Donc j'ai fait un petit point d'arrêt ici, deux points d'arrêt ici. Voilà. Et maintenant je vais surpiquer la fourche. Je vais préparer les genoux. Donc là il y a le genou supérieur et le genou inférieur. Donc là j'ai deux pinces, enfin une pince sur chaque genou à faire. Et il y aura aussi une pince, donc ça, ça vient sur le devant. Donc une pince à faire aussi sur le bas de jambe du devant. Donc ces deux morceaux vont se rejoindre ensuite. Il faudra que je les assemble et que je les surpique. J'ai cousu les genoux. Il faut bien faire attention aux repères, aux numéros, parce qu'on a vite fait de se tromper entre le genou droit et le genou gauche. J'ai inversé les pinces pour éviter les épaisseurs et il faut coucher les coutures vers le centre du genou. Voilà, donc quoique cette partie là je ne sais pas, enfin je vérifie au niveau de la photo parce que ça c'est l'autre partie du coup qui va venir sur le haut de la jambe du devant et je ne sais pas. Peut-être que c'est en couture ouverte là, je ne sais pas. Bon, je regarde, j'ai surpiqué les coutures des genoux et du coup j'ai inversé la couture. Celle-ci je l'avais couchée vers le bas, là je la couche vers le haut et celle qui va être cousue au morceau haut de la jambe ça sera couché vers le bas, comme ça ces deux coutures là se regarderont. Et là j'ai regardé par rapport à la photo du pantalon, il me semble que cette couture là est dirigée aussi vers le haut. Voilà, donc là le surjetage va être inversé, mais qu'importe, c'est pas grave, c'est sur l'envers, ça se voit pas. J'ai fini d'assembler les jambes de devant, donc ça donne ça avec les genoux. Et je vais m'occuper maintenant de la partie dos pour pouvoir ensuite assembler. Il y a une espèce d'empiècement qui va venir tout du long ici. Et je crois qu'il y en a un sur le côté. Donc j'ai bien assemblé. Donc c'est l'entrejambe en fait. Je sais pas comment on appelle ça, c'est un empiècement. Ils ont appelé ça le côté dos, c'est pas du tout le cas hein, en fait. C'est l'entrejambe, c'est entre les deux jambes. Donc pour moi le côté c'est le côté. Ça c'est sur l'envers bien sûr. Alors normalement les coutures naturellement devraient se coucher dans le sens inverse. Moi j'ai préféré les coucher dans ce sens là pour la bonne raison que là le croisement du coup va s'aplatir. Si j'avais fait le contraire, bah ça viendrait comme ça et c'est pas top quoi. Donc je vais vous montrer l'endroit. Je n'ai pas encore surpiqué. Et l'endroit, ça donne ça. Voilà. Donc c'est couché comme ça. Là, je vais surpiquer tout du long. Voilà, et ça donne un effet comme ça, un petit peu arqué. Voilà, et le dos en fait va revenir. Je croyais qu'il y avait un empiècement sur le côté, mais pas du tout. Et le dos va revenir un petit peu sur le devant. Donc ça fait un effet un petit peu décalé, un petit peu arqué comme ça, que j'aime beaucoup. Donc il me reste plus grand chose à faire au final. Donc je vais surpiquer cette couture là. Là je l'ai bien aplati, je l'ai bien repassé. Il me manque les côtés à assembler, à surpiquer également. Il reste plus que la ceinture à monter, à faire la boutonnière et mettre le bouton. Donc là j'ai bien surpiqué, j'ai fait mes ourlets et il se portera retroussé comme ça, avec un large ourlet comme sur la photo. Parce qu'en fait, je l'ai essayé, il est trop long. Ça fait pas joli si on le met naturellement comme ça. Ça fait pas. Enfin, je trouve que ça fait pas joli. Peut-être que ça dépend de la tenue après et des chaussures qu'on va mettre. Mais du coup, il sera retroussé. Je vais pas y arriver hein, avec une seule main. Voilà, il sera retroussé comme ça et voilà, de revers.
Et là, pour le coup, avec des baskets montantes, ça peut être ou des docks, ça pourrait être pas mal. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, je m'attaque à la ceinture. J'ai bâti les passants. J'en ai mis deux à l'arrière pour faire un style un peu différent. Voilà, donc sur le devant, sur le côté arrière. En général, ça se trouve à peu près à 5 cm de la couture de côté. Moi, ce que je fais, je prends le premier passant, celui qui est sur le devant. Je superpose au milieu du dos et je mets au milieu. Et ça tombe à peu près là. Alors, le montage de la ceinture, moi, j'épingle d'abord le dessus de la ceinture. Donc endroit contre endroit, et ensuite j'assemble le haut de la ceinture donc avec l'autre morceau, et après je rabats la ceinture. Je vais vous expliquer ça. Par contre, j'ai eu un souci. Alors, est-ce que je me suis trompée de taille? Encore une fois, je ne sais pas. Je crois pas, mais bon, en tout cas, pour le milieu d'eau, j'avais 5 cm en plus, donc j'avais beaucoup d'embus au niveau de la ceinture par rapport à la rehausse, et au devant ça allait, mais dans le dos j'ai dû me planter en fait de taille. Va falloir que je vérifie ça, parce que j'avais quand même 5 cm de plus, donc j'ai réduit. Normalement il n'y a pas de couture au milieu d'eau, mais là du coup j'ai fait une, parce que je voulais pas défaire les coutures de côté, j'avais un peu la flemme, du coup j'ai fait juste une couture au milieu d'eau. Ça va pas gêner. Alors, au niveau du devant pour la ceinture, ça tombe bien parce que j'ai le cran là qui correspond bien au repère de la poche. Donc les autres repères du coup sont décalés au niveau du côté dos, comme j'ai réduit, mais il va falloir vraiment que je contrôle la ceinture d'eau, le patron, et que je corrige ça si besoin. Sinon, donc voilà, j'assemble endroit contre endroit. Après, je vais surjeter le bas de l'autre ceinture, celle qui va se retrouver à l'intérieur. Et après, quand je vais rabattre, je vais piquer dans le sillon et ça arrivera au bord du sur. J'ai assemblé la ceinture. Donc j'ai vérifié, je l'ai essayé, et heureusement que j'ai enlevé tous ces centimètres. Ça me tombe impeccable, avec une ceinture ça sera nickel. La ceinture du pantalon est pas très large, mais bon, enfin, les ceintures trop larges j'aime pas trop. Après, faut que je fasse quand même attention par rapport aux ceintures que j'ai. Bon, normalement ça devrait aller, j'ai une petite ceinture tresse marron, ça devrait correspondre, ça devrait être pas mal. J'ai préparé les deux ceintures, donc je les ai superposées endroit contre endroit. Je vais piquer comme ça en repliant le bord qui a été piqué tout à l'heure. Je pique comme ça, je fais tout le tour et je reviens pareil de l'autre côté en repliant le bord. Après, je vais cranter ici, ici, et je vais retourner, et après j'ai plus qu'à rabattre la ceinture en faisant la piqûre ici tout le tour. J'ai cranté la ceinture et j'ai retourné, donc ça donne ça. Voilà, j'ai bien repassé. Ça donne ça. Je vais piquer ici tout le tour, et là ça sera piqué à peu près ici. Voilà, et après je ferai la finition des passants. Donc là j'ai bien repassé partout pour bien coucher les coutures, et après je vais piquer tout autour. J'ai terminé la ceinture, j'ai surpiqué tout le long, et à l'intérieur, mince, ça donne ça, je n'avais pas vu.